Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, c'est comme le hayat derrière, que d'abord je trouve on est à la bien, bébé, fort, fort. Voilà, très bien. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Harmonix TV. On attaque la dernière partie, le mode d'histoire, For Honor. Ça, il s'agit de l'histoire, les chevaliers. Voilà, actuellement on a fait. Bon, au fait. Ah, comme à chaque fois, bien sûr, et ça allait un problème fait le record. J'ai terminé l'histoire, mais là, comme bien sûr, il y a deux parties, comme d'hab, c'est super intéressant. J'ai avancé dans l'histoire et tout. Voilà, parce que là, actuellement, j'ai débloqué le chapitre 2 les Vikings. Alors, chevalier, Viking, voilà. Les chevaliers, sabotage la dernière fois. Ah, et quand les loups dans la bergerie, sabotage, donc tu fais la vidéo de Fermo et tout. Voilà. Eh oui, c'est vrai, s'agissant que Manchahin l'a boublé et comme d'habitude, voilà. Bien sûr, Blamenaoudel, comme abonnez-vous, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo, surtout, 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 partagez la vidéo. Ou quand vous vous abonnez, comme la petite clochette, cliquez pour avoir les notifs, nous parmi les premiers à voir la vidéo, ou nous parmi les premiers, lettrez le feedback, comme je compte sur vous. Voilà. Non, mais je déconne. Mais voilà, soyez plus actifs, la chaîne et tout, ça fera vraiment plaisir. Notre armée devait passer. Ceux de la Grande Horde savent être inventifs quand il le faut. Voleur ou tu vois. J'ai que je rogue. Un des attaques sournoises ou les dégâts. Mais pour de vrai, tu vois, elle perce l'armure, t'as les ennemis, t'as et. Voilà. Holden n'aurait jamais dû envoyer ses éclaireurs quand ah il aurait oui. pu me dépêcher. Il a mal fini, miskin. Pourquoi n'ai-je rien dit? Oh putain. Voilà. Apollyon m'avait chargé d'ouvrir la route. Ce que j'ai fait, bien sûr. Tu vois les attaques que t'as à faire. Le tout, c'est la mort. Voilà, mais c'est une parodie, une attaque à cas. L'attaque sur moi, c'est percé l'armure et il a du mal à garder après. Ben, d'ailleurs, une grenade aveuglante, nice. Ah, tu Meskin, il a eu du mal à encaisser le dernier coup. Ces vikings manquent de vigilance. Ah, marabah, n'y a rien. En fait, là, il faut juste pas se faire trop commencer. Toujours aussi beau ici. Voilà. Wow. Faut toujours pas trop se laisser coincer, le bord, surtout mal. Parce qu'on risque de tomber vite. Voilà, c'est bon. Voilà. Je vois que Taïa, les attaques sont vraiment effrayantes. Voilà. Oh. Oh. Voilà, exécution directe. Et il y a où je... On se porte sur l'armée de la grenade de parce que ça s'en cache bizarre. Voilà. Les attaques remplissent la jauge de vengeance. Allez, c'est plus intéressant parce que quand tu remplis la. Le nuage du volcan fait dépérir cet endroit. Quand tu remplis la. Ah, c'est parce qu'il y a un truc, il y en a un des lots vite fait. Wow. Ou Haka. En plus, c'est une arme à l'aise et elle parle. Dommage.
Elle est solide. Voilà, la jauge de vengeance n'est pas ta marotte. On va pas l'exécuter, on s'en fout un peu. Voilà. En tous les cas, t'es l'éctana, Rayman. On a l'objectif t'ana, c'est de pas l'eau. Tu vois, lui, pareil. Check que j'esquive. J'aurais pu l'exécuter, mais je sais pas. Bon, apparemment, il n'y a rien d'intéressant. Je pensais qu'il y avait un passage, mais on s'en fout. Donc, on avait gagné un passage en dehors. Nous ne laisserons que ruines derrière nous. Voilà, on parle à Rayman. Charge de... La drogue. La drogue. Hop. Voilà, c'est un peu la chef d'espoir de Taham. Petite exécution. Voilà. Un tic, bébé, un tic. On va essayer de rush la base Taham parce que tout se passe le faux. C'est une sorte d'infiltration dans la base. Tu vois, t'es là, tu essaies de vraiment infiltrer la base. Qui met pas le coucher sans donner l'alerte là, parce que vous m'avez que c'est des bâtards. Là je me suis fait trop parler. Il fait si froid. Vas-y, me régénérer quand je reste. Il te laisse pas. Non, c'est Hada qui nous intéresse, il les aime. Voilà, et là on va pouvoir régénérer la terre. Au fait, quand on exécute une personne. Ça permet de régénérer sa vie, de régénérer l'endurance ta'ak. Surtout en PVP. Actuellement, on va pas trop en avoir besoin. Tu vois, actuellement, mais là, surtout en PVP, on va avoir besoin. Vivre pour servir. Vivre pour servir. On va essayer de tuer. Et là, on a perdu la barre de vengeance. Alors, là, tu vas faire. Oh, elle part pas mal. Petite exécution, comme d'hab. Régénérer les points de vie Tana. Bon, on a les flocons, Mkhalina. C'est quoi ça? Des projets. Ça, on s'en fout un peu. Ouh là là, ils sont trop nombreux par contre. Stone me paraît fiable, grossier, mais fiable. On va l'exécuter. Et là, je suis devant, je suis à la tête. En fait, ça, actuellement, les dégâts de Taha, c'est vraiment dévastateur. Il s'alhoue. Bon, ah, celle-là on peut les casser.
Là, c'est Habibi Draham, la Shkara, on les appelle comme on veut. D'ailleurs, on n'en a pas trop besoin, la vignante. Rejoindre l'avant-poste. Ouais. En plus, c'est la famine infernale. C'est pas mal l'idée, tu vois, tu peux utiliser le décor comme environnement et tu vois. Voilà, c'est bon. Bon, là, y a rien apparemment. Putain, mais en tous les cas, c'était chaud. On était déjà en panne d'endurance. J'avais une idée. Je ne m'attendais pas à entrer si facilement. Tu rentres facilement, t'inquiète. Merde, je voulais l'exécuter. Ah, on dirait un derrière. Air et cool. Bon, allez, c'était du facile, il faut le dire. On doit le mener. Oh putain. Ah, voilà, fichine. Petite exécution. Ah. Et je pense que là, il faut qu'il m'aille chef de la dernière. Je ferais peut-être bien de l'actionner. On sabote le mécanisme. Non. Sauf erreur de ma part, il ne restait plus qu'à lever l'ascenseur et profiter du spectacle. Laissez le boss down, du coup je me suis fait arrêter. Plus qu'un dernier coup. Obligatoire. Voilà, et là vous allez voir. En fait, elle les a sabotés. Là, la dar hadia, l'avant-garde, ça allait être terme. Voilà, ça c'est juste... La voie est libre. La voie est impressionnant. Ne l'encourage pas. Ah, Apollyon. Apollyon, hein, d'accord, fait louche. Ça se voit que fait louche. Ou la fait louche parce que c'est une nana. Voilà. Gain de niveau de l'histoire. En vrai, qui est d'être le premier record, le niveau de l'histoire, j'étais 8, après. Voilà. Mais vu que j'ai terminé le premier mode, le niveau t'arrête là d'un coup, tu vois. Mais de toute façon, vous allez le voir. C'est... Voilà. Donc, Anaya, comment on fait? La forteresse de Svengard. Voilà. Mon but. Les vrais guerriers vikings n'avaient que trop longtemps dépéri sous le joug de leur société, de leur clan, de leurs lois. Nous allions ouvrir leurs portes pour rétablir l'ordre légitime du monde. En vrai, ce qui se passe, donc on a comme une idée, ce qui va se passer derrière, c'est que ils veulent attaquer Hada le fort
Parce que le fort, c'est là où les vikings ils chabou le makla ta'ham. Et vu que c'est l'hiver, qu'il n'y a pas de moisson et tout, chabou inhulham le makla pour les faire mourir de faim. Parce que les autres villages n'auront pas de quoi se nourrir et tout. Parce que la guerre binetham. C'est que je suis le sousa qui fait que le sousa fait une communauté. Voilà. Ils veulent les priver de bouffe. Faut donc que dans l'histoire te faire entrer. J'avais des questions. Madame, voilà. Pourquoi cette forteresse? À première vue, ce n'est qu'une réserve. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes là. Je check les motifs que t'as. Ces barbares. Ils ont l'air d'honnêtes gens. Pas vrai? Ils se soutiennent mutuellement. Comme s'ils n'étaient qu'une famille. Mais ce n'est qu'une façade. La nuit tombée, ils se sautent à la gorge, tout comme nous. S'il y a des loups parmi eux, ne faut-il pas les libérer ? Aider Apollyon, en fait, son but, c'est... Comment vous J'avais de nouvelles questions. Elle est pire que cette fois, les réponses tarderaient à venir. Elle fait que propager la guerre, voilà. Elle fait tout pour propager la guerre partout. Donc, Hanaïa, le but de la question, c'est les hommes qui ont le bélier. Tu veux le bélier, la louche, les hommes le protéger, les hommes avec la ligne, tu vas droit comme chez lui. Le scepticisme équivalait à la mort. Mais l'intégrité existe. What? Je ne pouvais rien faire d'autre que de protéger le bélier et de prier. Donc on a rien, nous le bélier avec un mélium chez moi, mais je garde. Protéger le bélier. Voilà. Il faut que je protège le motherfucker qui a mis le bélier. Et Nassou, en attendant, rien de chez moi. Voilà. Sur l'aide de Mali FDP derrière ma main, c'est une d'abord à ma fesse. Je dois les faire. La ligne droite orange, c'est bien, ça veut dire que le bélier est un arabe et un. Et à ce moment-là, il faut que nous ayons les alentours, nous allons les éliminer de même. Voilà. C'est une opération, je suis à Taïla, mais reste ça. Ça veut dire qu'on va éliminer quelque part. En tous les cas, les effets car les catarques sur la manette, c'est très impressionnant. La manette est vibrée avec les décors. Nous étions en plein territoire ennemi. Voilà. Nous ne pouvions qu'avancer. Là, il faut qu'on assume le chevaux de mineur. Victoire, what? Exécution. Ah, il va. Va. Qui m'a contacté pour mettre ses mots? Ça veut dire que tu n'as pas de voix de la voiture. En gros, elle est Hello, c'est Tabba, c'est les quadriceps, comme jambes.
C'est bien, c'est bien. Un bel esclave. C'est pas un défi. Ah! Ah! Match le corps de brut. Voilà. شو هذا ما ميدناوش باسكو لا لو بيلي لي كرازي جو كو عم بس عندي لي زوم تاعي يجوا من داك يعاونوا الاصابه اسكي صح ها هو كاو شي هذا نتا تقدر تقول شي زعما شي الو انا فاير ابورتو بورتال Protéger le bébé. Ah, il y a un problème. On a un problème. Il faut qu'on ait rien la zone. Rien de la zone. La zone est un peu ok, il faut que les servants. Elle est fou, ça, le jeu. Non. Tape, tape. L'ennemi se reprit. Là, j'ai pas compris. En plus, elle veut aller d'un seul soldat et pas de soldat. يا كارش فين الزح واحد قاعد يجي من ورا Nous devions protéger le bélier protéger et nous en servir pour enfoncer la porte. Alors là, il faut qu'on trouve un chef d'armée d'abord.
parce que sur les tombes, il y a une chose que je ne peux pas sentir. Shut the fuck up, je vais faire une niche parce que shut the fuck up, tu vois. Voilà, donnez un coup, je vais camper. Putain de merde. Je sais pas qui a lancé cette flèche, vous allez voir, mais en tous les cas, c'est. Disons que c'est le roi des motherfuckers. Le roi des. Le roi des motherfuckers. Alors. Allez, what? Et là, je crois qu'on va affronter un très très, très gros morceau. La petite naze, comme d'habitude. كلمة الناس مش مزتيش حلوة علي Gunmander le légendaire chef de ce fort وانا يا علي regardez vers Bien sûr, à chaque fois, il faut quelque chose pour le fight et tout. On est mort. Mais c'est que partie remise. Parce qu'à Caraxone, il dit Apollon. Relève-toi. Il dit Madame Apollon. Avec la musique badass et tout. Notre intrusion signait l'arrêt de mort des Vikings. N'était-ce pas la raison de notre présence? Les forteresses, j'en avais déjà assiégé. Alors pourquoi ce trouble? Qu'est-ce qu'on fait là? L'exemple pas derrière les hommes. Mais je pense qu'il faut juste éliminer la résistance de Rahim Al-Lou. Oula, pardon, ça. Je voulais pas faire ça. Je pense qu'au même domaine, c'est un détail. C'est juste débloquer la résistance de certains de la molécule. Doma, c'est les petits amuse-bouches. Toujours explosé. Je m'en sais pas au trésor. Voilà. Parce que vu qu'on est déjà passé par là, les trésors ont fait bien. Il y a un mort qui se donne. انا عاودنا ولينا دزيان ميتا الشوط الثاني ايوه نازل الشيان يغون تاعو اي لا فا فالوار افرونتي لي شيان اي هو انا فوالا يفوك تباري لي شيان شد الفاتور Tu vois, ils sont tellement nombreux que là, il faut juste Dès que tu parles, un chien, tu ne t'en pas. Abandonne, inutile de faire souffrir ton clan. Voilà, ok. Voilà. Et là on peut se péter. Voilà bien, péter. Fort, fort.
What? Parce que les chiens de Karib Jabou. Et là, il essaie de revenir pour le combattre, mais les hommes étaient à haut, tu vois, ils veulent pas qu'il meure. Voilà, vu qu'il est blessé et tout, je verrai, j'ai un fier. Voilà. Ah. Je sais maintenant ce qui me hantait alors. Ah, Adoma, c'est toujours bon à vérifier de cette ferme d'acier et tout. Ah, c'est pas ramené à un autre. Tu as gagné que ça, Yahadi. C'est ici que nous combattrons. Mais tu es là. Aïe, tu en parles assez au bon Adoma. Vu que Ramlet, il ne vient être un minimum. J'étais dans le mauvais camp. Et à ce moment-là, il sait que il est en train. C'est un homme bien qui est en train de servir le mal, tu vois. Enfin, je parle du chanteur auquel je joue, c'est le mal. Là, il est fair play, que sur leur mal ou l'épée, que je vais me battre à la loi. Là. Et là, on va finir notre petit fight. Mais putain de l'air, un écrasement à viking étourdi, le voir. Sacha un de l'EPV, j'ai les beau combat. Beau combat. Va donc en enfer. Putain, on a tout réduit en cendres. C'est clair que on a foutu un peu le bazar. Un peu. Aïe, yeah, il jette l'espion. Pitié. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là, nous? Il n'y a pas de meuf ici. Je le sais très bien. On les affame. C'est là qu'ils stockent leurs céréales. Je crois tel comment. Il n'y aura pas d'autres récoltes. D'ici l'hiver, ils s'entretueront pour s'approprier le peu qu'il restera. Eh oui, en fait l'objectif d'Apollyon c'est d'affamer les peuples pour éclater les guerres, je sais pas. De combattre. Pour la paix. Toi aussi. À vous tous. Ah oui, là il combat pour tout sauf pour la paix, là par contre. Parce que les vikings, ils étaient en train de vivre prospère, un thé, que... Austral Tarmam ta Apollyon, qui fait chahamel, tu vois. Là, tu vas comprendre un peu le raisonnement. Diable machiavélique ta Apollyon.
C'est vivre. Pourquoi est-ce qu'on ne brûle pas tout? À ton avis, qu'adviendrait-il des clans si nous le faisions? Ils mourraient de faim. Ils s'uniraient. Mais si nous leur laissons juste de quoi en nourrir deux ou trois, ils s'entretueront pour avoir les restes. Et les loups parmi eux s'éveilleront. Putain, même le diable, il réfléchit pas comme ça. Nous ne venons pas pour les tuer, pas comme ça, mais pour leur révéler leur véritable nature. Putain. Les libérer. Les libérer. On veut provoquer la guerre à tout prix, c'est ça. Il est temps de rentrer. Ah, il y a les navires pile de même ses filets. Et là, il a trouvé mon collier Armeito. Il a dû comprendre ce qu'il était. Voilà. Voilà, mes amis, la fin de le mode d'histoire. T'as les chevaliers qui se termine هنايا. هذاك سي لو بيتي هذا اللي راهو تحت هنايا سي لو لوغو اللي خدمتو انا تاع لي فيكينغ زعما تاع هذيك. فوالا aptitude récupération niveau 2. Au fait qu'à chaque fois que tu l'as le XP, tu améliores les soins tag. Et ça c'est vraiment pas mal. Voilà, on a actuellement le mode histoire t'as les chevaliers que maintenant. Comment on fait? Voilà. Chapitre 2, t'as les vikings. Bon, ça c'est aptitude de mode histoire, on s'en fout un peu. Ma manière de penser ne mit guère longtemps à se répandre à travers tout Valkenheim. Au cours de l'hiver suivant, un Hersir apparut dans le clan qu'on appelle la Grande Horde, résolu à fédérer son peuple. Un Hersir, ça veut dire c'est un chef de guerre qui est apparu, et bien sûr l'objectif t'en a, c'est un verbeau de la fesse comme d'habitude. Hna l'épisode t'en a, hada ikhlas hna, comme on a le mode d'histoire t'a les chevaliers, j'espère que l'épisode il vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, hna l'tahta, mettez le petit like qui fait plaisir, mais surtout l'équipe, moi je vous encourage vraiment à partager mes vidéos, ça m'aidera beaucoup, et en plus ça aidera à développer la chaîne et à avoir plus de contenu, inchallah. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, au plaisir. Et bien sûr, t'as l'offre à vous. D'accord, l'équipe. Ciao, salama.